Bon, allez, on est reparti. Dernier point de passage. Bien que bien, hein? Ouais, ouais. Ouais. Allez, salut. Non, j'ai rien de tout. Ah, rien à vendre, rien à entendre, rien à voir. Rien. Des voix, des millions, toutes connectées, des yeux qui voient tout. Et ça parle, on s'entend plus. Alors les voix s'unissent et... Je peux pas. À l'aide. De l'aide. Trop tard pour aider. Le monde entier est devenu un enfer. Le Destructeur. Il te voit. Il sait ce que tu fais. Ils le savent tous. Ah. Oublié. Ouais. Tout oublié. Rien oublié. Le chêne est tout. Tout. Le chêne. Il nous observe, hein? Toujours. Non, rien trouvé. Rien vu. Rien entendu. À part des murmures. Dégage maintenant. Non, je veux pas. Me force pas. Je veux plus t'entendre. Non. Ok. Donne-moi ça tout de suite, toi. Bonus de dégâts. Du coup, je peux repartir. Et là, on va prendre la gare. Trouver l'entrée du métro.
Nouveau point de passage. Ah ouais. Le métro. Bon, tout ça pour une petite caisse. Merde. Ça sent pas.
C'était chaud. C'est vrai. Ah mais il est pas mort là. C'était chaud. Du calme, du calme. Son taf, lui.
Et voilà. Ouf. C'est fini. Ouf. C'est fini. En deux secondes. Mais quand même un... des lorgnons. Neuf points. Merde, je croyais que je l'avais déjà pris. Ça, c'est autre chose. Moi, c'est le même. Moi, je vais prendre ça plutôt. Carrément. C'était chaud. C'est bien le chien. Je saigne toujours. Autre chose. J'ai besoin de lumière. En voilà de la lumière. Ah, ça va être chaud là. Chercher conseil auprès de la racine. Je suis venu rien chercher, moi. Viens plus près, mon enfant. C'est toi,
Toi qui t'es échoué sur la côte, nous voyons toutes choses. Nous sommes la mère de la racine, réceptacle de la sagesse qu'elle prône et répand. Que cherches-tu ? Je recherche le fondateur. Le fondateur, consumé par la fierté et le désespoir. Il est parti, au-delà de ce monde. Un présage, sans en avoir conscience. Serait-ce possible ? L'heure est-elle venue ? Oui, tout devient plus clair. Tu souhaites détruire la racine, mais la voix se dérobe devant toi. Cette chair connaît le chemin que tu cherches. De l'aide, nous devons t'apporter. Mais pas ici, où tout nous écoute. Lorsque nous romprons les liens, ils viendront. Vas-tu nous protéger, nous croire ? Je vous protégerai. Prépare-toi. Ils arrivent. Prends de la chance, tu dis alors. C'est ça. Touché. C'était chaud. C'est terminé. Ah, je crois qu'il l'avait eu. Je suis libre. Tu es libre. Attends. Avant d'être libre. Ça ne fera pas. T'es sûr ? Force. Je dispose de l'information que tu recherches. Je t'aiderai. Nous combattrons ensemble. Mais d'abord, je dois me reposer. Le mur, là, regarde. Une voix s'étend au-delà. Poursuis ta route. Puis retrouve-moi parmi les tiens. Les nôtres. En ce lieu que tu nommes le service. Je connais le chemin. On va pouvoir récupérer des nous cœurs de dragon. Nous reverrons. Bah merci madame. Le journal, bon, on lit pas hein, là.
précision. Même pas arrivé, il tire déjà dessus lui. Merde. J'avais un doute. Thank you.
Ouais, on va par là. Oh, c'était chaud. Caisse. Ça sera un raccourci. Dur.
Fouiller, il doit pas avoir grand chose spécialement. Ok. Boss. Regardez si on a des points. 3 points. Un chien. Tiens.
Enfin, je vais changer d'arme parce que je fais pas de dégâts avec ça. C'est bien contre les mobs, mais contre les boss, pas trop. Non, c'est pas ça que je veux. Dans le mauvais sens. Il fuit. Snipe, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ah, c'est une, ouais. On va pas voir qu'est-ce que ça dit. On va garder ça. Je le mets, mais ça me sert à rien. Thank you.
les vaisseaux, non? On va aller vite fait au service 13. Circulez. Toi, circuler. Alors comme ça, vous avez abattu ce monstre volant en ville, hein? T'es défoncé. J'ai encore du mal à y croire. Ah, vous en avez dans le ventre, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut? On peut l'acheter, mais on va pas le jouer. Il me faut du fer forgé. Non, j'attends, on est bon. L'armure, j'attends. C'est, on peut acheter ça, c'est vrai. Dégâts subis. Il y aurait des modes. On va tout acheter. On n'améliore pas tout de suite. Bonne route. On va le mettre. Plus 30% de dégâts. Circuler. J'ai combien de fer forgé? De fer normal quoi, 48. Parfois on en récupère partout du fer. Hein. Vas-y, je vais améliorer mon armure. Hein. Circuler. Alors, comme ça. Bon, j'espère qu'on pourra les...
Pas de problème. À la prochaine. Circulez. On va acheter des potions. Vous savez russe. Doutez que le meilleur. On va l'acheter. Elle est là du coup. Salutations, mon enfant. De l'agitation dans... Mais ça, tu le savais déjà. Tu étais là. La puanteur de sa mort s'accroche encore à ta peau. Je suis ravie que mes liens n'aient pas été brisés en vain. Alors, comment cette chair brisée peut-elle t'être utile? Je peux t'accorder cette bénédiction, mon enfant. Compte 1000, yes. J'ai pas de simulacre. Fais je reviendrai, attention madame. À toi, mon enfant. Parlez vite fait à eux. Hein? Oh. Salut. Salut. Je crève la dalle. Les rations se font rares depuis qu'on a fermé les portes. Mais on se débrouillera. On s'en sort toujours. Préparez-vous et restez alerte. Une tempête d'un autre type approche. Vous avez touché le cristal et disparu. Ça fait un moment que vous êtes parti. Je pensais pas vous revoir. Rebonjour. J'ai toujours le sentiment qu'on est encerclé par cette putain de racine. Non, j'arrive pas à y croire. Vous avez tué le dragon? Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un viendrait à bout de ce monstre. Ah, oui. C'est la commandante Ford qui m'a donné ce nom. Je n'en avais pas quand elle m'a accueilli. J'imagine que ça veut dire qu'elle avait déjà un plan pour moi. Peut-être. Je suis responsable de la sécurité au service 13. Bon, j'apprends encore les ficelles. Mais la commandante ne m'aurait pas donné ce poste si elle ne m'en pensait pas capable. On a mis des procédures d'urgence en place. Je suis prêt à toutes les éventualités. Un menteur. Ouais. La commandante Ford m'a trouvé devant la porte quand je n'avais que quelques mois. Franchement, la vie n'est pas si mal ici, tant que vous restez à l'intérieur. Les gens sont bien. La bouffe est... Allez, correcte. Et surtout, les murs sont solides. Je ne suis jamais sorti en ville, mais Ace m'en parle souvent. Ça a l'air d'être un cauchemar. Je suis content d'avoir grandi ici. Je me sens redevable aussi. Je me dois de protéger le service. J'espère que Wallace se plaît ici. Je veux dire, ça va pas être facile sans Marc.
Je vais veiller sur lui. Oh, c'est une chef en or. C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais. Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai été élevé un peu par tout le monde ici. Mais elle a toujours été mon mentor. Par contre, elle sait être ferme, hein. Après tout, une commandante doit prendre les décisions difficiles, pas vrai? Je continue à penser que j'aurais pu tirer Marc à l'intérieur sans que la racine arrive à rentrer. Mais... eh bien, elle a dû prendre une décision. Et il faut que je la respecte. Bah, je sais qu'il a fondé le service. Il a fermé les portes pour protéger tout le monde de la racine. Par contre, la commandante Ford n'aime pas qu'on parle de lui. Je veux dire, il paraît que le fondateur était un héros, mais... Elle fronce toujours les sourcils quand quelqu'un mentionne son existence. On voit le jeu avant l'histoire de ça. N'oubliez pas, restez dans les zones autorisées. Salut, nomade. Riggs a fabriqué une nouvelle attelle pour ma jambe l'autre jour. Comme ça, avec trois fois rien. Imagine qu'il a vu que je boitais pas mal. Ça peut aller, je crois. Je peux pas m'empêcher de penser que Marc va finir par revenir. J'ai juste du mal à y croire. Qu'il soit plus là. Rebonjour. C'était mon grand frère. Il était dehors pendant la tempête. Il s'est fait coincer de l'autre côté de la grande porte. On pouvait pas lui ouvrir avec la racine qui rôdait. Je lui ai dit que j'avais vu en rêve qu'il reviendrait pas. Il m'a pas écouté. Ben, des fois, j'ai l'impression de... d'y être. Avec la racine. Rebonjour. Comme si ça se passait là, maintenant. Je peux... je peux les sentir. Il y a des fois où je vois des gens en danger, et je sais que ça s'est pas encore passé. J'aimerais juste qu'il me... grabuge dans le service, compris ? Quelques semaines. C'est la commandante qui nous a trouvés, mon frère et moi. Nos parents... on a été séparés quand la racine a attaqué notre maison. Marc s'est occupé de moi pendant tout ce temps. Je sais pas trop quoi faire maintenant qu'il est parti. Ouais. Pas de grabuge dans le service, compris ? J'ai essayé de pas trop y penser. À plus tard. Je sais plus comment on monte. Je sais même pas si on peut monter. Oh, putain. Salut, nomade. Je vois une échelle là. Vers les murs. Hé, pas de grabuge dans le service. Mais hey. Non.
les fissures dans les murs grandissent chaque jour autour de moi. Bonjour. Être humain, le cœur est pourri, la racine corrompt tout. Pourquoi distriez-vous le gardien? Insignifiant, chance de réussite négligeable. Les protecteurs ont été détruits. Le dévoreur rôde sans personne pour l'arrêter. Le labyrinthe s'érode jour après jour, et je ne peux y résister éternellement. En revanche, votre aventure n'est pas nécessairement vouée à l'échec. Fort bien, entrez et cherchez. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Le labyrinthe renferme toutes les portes et des possibilités infinies. Si le passage que vous cherchez existe, alors il se trouve à l'intérieur. Oui, il reste encore du temps. La racine menace chaque monde. Et c'est pour ça que chaque monde se voit attribuer un défenseur. Les protecteurs ne sont pas faciles à tuer. Lorsque l'un meurt, néanmoins, son monde tombe aux mains de la racine, et celle-ci se renforce. La perte de plusieurs protecteurs a permis l'avènement du dévoreur. Le dévoreur a rendu la racine véritablement redoutable. Cet endroit est à la fois très similaire et très différent des mondes. Il en est le cœur, inviolable, n'ayant pas besoin d'un protecteur. Je n'ai ni la connaissance ni les ressources à allouer à cette question. La racine n'a pas pu venir sans invitation. Êtes-vous un protecteur? Je suis le gardien. Je serai le dernier à tomber. Un agent de la racine. Conscient ou inconscient, nul ne le sait, et cela n'a aucune espèce d'importance. Le dévoreur est celui qui a effacé jusqu'au protecteur du labyrinthe, me laissant seul pour contenir la putréfaction sans fin. Malheureusement, mon combat ne pourrait être remporté par le temps. Il s'agit du berceau des mondes, reposant sur le cœur, autour duquel tous les mondes sont construits. Le labyrinthe contient toutes les portes ayant jamais existé, existantes ou qui pourraient exister. Certaines ont été perdues, d'autres détruites, mais toutes y sont contenues. Ok, merci. C'est là toute l'aide que je peux vous apporter pour le moment. Toute entreprise échouera si je fais quoi que ce soit de plus. Merci, monsieur. Oh. Don du gardien. On a été, je ne sais plus, non. Là, c'était fermé. C'est plus loin. Moi, je l'ai pas, ça. Hein. Non, je l'ai pas encore.
un livre. Désert. Grand roi, je ne m'attendais pas. Vous... vous n'êtes pas... Et pourtant, vous avez ouvert les portes. Un second nuit. Ce doit être ça. Pardonnez ma confusion, ô être inattendu. Vos pas sublimes foulent les sables du vent oriental, ô être itinérant. Quel que soit votre dessein, nous sommes bénis par votre présence. Il n'y a sans doute personne qui vous égale, ô être inimitable. Du moins, je n'ai jamais vu vos semblables. Je n'ai connaissance ni de ce nom, ni de cette description. Il y a bien quelqu'un qui est peut-être en possession de ce savoir, mais il n'est pas du genre à divulguer des informations de son plein gré. À part peut-être un autre nuit. Bien entendu, bien entendu. Pardonnez mon jugement hâtif, ô être ardent. Oh. Son nom est Ezlan, le roi immortel. Il ne fait aucun doute qu'il sera... extatique de rencontrer un rival. Extatique. Comme tous les Akari, je ne vis que pour voir le protecteur reprendre sa place et la planète renaître, ô être clairvoyant. Ce serait alors pour moi une joie, un grand honneur, de vous aider à trouver le nuit qui était en vie lorsque le dit protecteur chut. Il règne depuis la citadelle. Dans les canyons par-delà la porte du soleil noir. La porte est scellée depuis des temps immémoriaux. Mais il ne fait aucun doute que vous trouverez votre chemin, ô être ingénieux. Aucun autre. Il n'y en a jamais eu qu'un seul. Et ce, depuis l'époque du protecteur. Votre venue est... sans précédent. Surnaturelle. Ok, au revoir. Bonne route, ô être éclairé. Explorateur. Et où?
Vas-y, on va aller d'abord aller là. Ok, attends, on va aller voir qu'est-ce qu'il y avait dehors. Hein. Il y avait une autre route. Après des routes, on a plein. Hein. Là-bas, il doit y avoir le raccourci normalement. On n'arrive pas de raccourci. On vient d'arriver. Ça se fait.
C'était chaud. De malade. Calmer.
veulent là que je regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il doit en avoir grand chose. Si, il y a quand même. C'est bien le chien. Ouf, c'est fini. Le chien. Couché. Va sûrement passer par la fenêtre, le monstre. Non. Ok, on va s'arrêter là.